C'est long, 4 matchs. C'est très très long. Romaric et Johnny n'en pouvaient plus. Il est là dans les buts. Bastien, le coup d'envoi vient d'être donné par corps nombreux, un public nombreux qui voit ce ballon dans la surface de réparation. Benji Santelli à l'arrache, il talonne, bien fait ce ballon pour Tavares qui s'arrache aussi. Tavares, il va pouvoir frapper pied droit. C'est bien, c'est bien. C'est pas c'est son bien, bon c'est pied, bien. Il dévisse. Dans le rond central pour Liénard. Liénard qui ouvre bien fait pour Miguel Alfarel. Il peut contrôler, il essaye de lober. Et le gardien bien, qui Migou, pousse bien, des deux bras. Bien. Bingo, il a du soutien juste à droite avec Florian Bianchini. Bianchini qui centre au second poteau, il s'embrouille. Et Liénard pour la frappe. Pied droit contré par ce plongeon. Ne sort pas le tacle. Attention les Palois. Les Palois en débordement côté gauche. Un centre en retrait. Et Saïvet qui ouvre le score. Oh non, Henri Saïvet. Le Bonner qui récupère, heureusement, à l'arrache lui aussi. Deuxième fois, la faute sur Bonner, monsieur là, l'arbitre. La faute sur. Ah non, Benji Santelli va se prendre un rouge. Mais non, voilà. Mais non. Et Benji Santelli se prend un rouge. Et voilà. Mais non. Eh, c'est pas possible. Il aurait dû y rester. Il aurait presque pu avoir un pénalty. Le centre. Et c'est Camara. Farel. Zut. Ah, ce ballon, il avait bien feinté. Et Karim Abed qui siffle la fin de cette première période. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Deux changements choisis par Régis Brouard, choisis ou imposés par. Ça y va, il faut y aller, non? C'est frappé au second poteau, la tête, oh la transversale, et le deuxième but. Et malheureusement, il y a une première tête au second poteau. Alfarel avec Ducrot, Ducrot pour fasciner à côté, il n'est pas en position de jouer. Il n'est pas, monsieur l'arbitre. Le drapeau s'est levé. Avec Christophe Vincent. Et le ballon est en retrait peut-être. Fasciné. Non. Quel. Mais quoi. Mais pourquoi comment être hors jeu. Et il n'y a pas en jeu. Le ballon est donné par un défenseur. Le ballon est donné par un défenseur. Le ballon est donné par un défenseur. Et il accorde. Et oui, il y est. Et oui, il y est. But de Fasciné Comté. Voilà le but qui peut relancer cette équipe. Il reste une demi-heure dans ce match. Le Sporting revient à 2 buts 1. C'est bien fait. Il va lancer Fasciné Côté. Fasciné Côté va y aller. Fasciné Côté. Il donne pénalty. Pénalty. Pourquoi il donne pas le pénalty? Pourquoi il donne pas le pénalty pour Bastien? Eh oui, je vous mets le micro si vous voulez crier. Troisième but de Fasciné Côté. Attention. Oh non. Oh non. Oh non. Il y a un troisième but pour Pau. Moi, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Les 10 dernières sur ce corner. La tête, encore une fois, le sauvetage. Oh non, quatrième but. Quatrième but, on n'a vraiment pas de chance. Qui est resté là. On mettra un Majot, il frappe direct sur le poteau. Et Makugue Achens frappe direct sur corner de Julien Majot. Il était battu, Camara. Ça frappe le bas du montant et ça ressort au corner. Jogador, il est bon, Nubiu.